spinning, jingle bell ring, snowing and blowing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 8 décembre. Nouveau Vlogmas, je vous montre notre joli sapin que nous avons décoré donc hier soir. Je suis trop fan, il est magnifique, un poussin. Ouais. Donc hier soir, on l'a mis en place et on l'a décoré. J'adore, franchement, il est trop trop beau. Donc cette année, on a pris des couleurs dans les teintes de vert, marron, doré. On a Monsieur Rocky qui est en train de guetter. Et voilà, qui fait des câlins à Calvin comme d'habitude. Mais voilà, je voulais vous montrer donc notre joli sapinou. Voilà, quelques boules. Donc là, on a un renard avec un énorme grelot. Voilà, des petites boules vertes. Un petit sapin. Des bougies, des lumières bougies. Donc là, un petit ménéleux. Des étoiles, des grosses boules. Hop, un autre ménéleux qui est juste là. J'en avais cherché au marché de Noël de Colmar, mais c'est vrai que le prix des boules, c'est hallucinant. Donc bah, je me suis abstenue d'en prendre. Hop là, ici on a un petit ourson. On a celle-ci. Enfin bref, voilà, je vous montre un petit peu le sapin, mais je suis trop fan. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'adore. Je le trouve trop joli. Donc là, avec Poussin, on va s'amuser à faire un petit peu de décoration dans la maison. Vu qu'hier, on a uniquement fait le sapin. Et je voulais vous montrer donc la bêtise du jour de Monsieur Tini. Regardez. Calvin, ce matin, l'a vu, il était mort de rire. Donc en fait, il a piqué des chaussures, deux rouleaux de papier cadeau. Et voilà, pour avoir de très, 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 très grandes jambes. Franchement, c'est ouais, c'est toujours un régal de voir Poussin rigoler des bêtises de ce petit lutin farceur. Voilà, bah je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous montrerai un petit peu les décos. Voilà. On est en train de sortir les décos de Noël et Poussin vient de retrouver la chaussette que Carole lui avait offert l'année dernière. Tu montres Poussin? Donc, il y avait son nom brodé dessus. Une grande chaussette. Donc, on va la remettre sur, sur la cheminée et puis... Et puis le Père Noël. Le Père Noël, il va la remplir? Oui. Ok. Voilà, donc c'est un peu le bazar, mais on est en train de décorer. Donc j'ai remis mes petits casse-noisettes. Je vais les remettre plutôt parce que là, ils sont par terre. Hop, j'ai mes petites boîtes avec le Père Noël et les bonhommes de neige. Bref, on va décorer.
couverture, des cases 8, des calendriers et de poussins. Allez, c'est parti. On commence par le chocolat. Vas-y. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Ta-ta-dam. Qu'est-ce que c'est? Non, je sais pas. Alors. Attends. Attrape par en dessous. Enfin, appuie par en dessous plutôt. Non, peut-être par ici. Ça arrive ou pas? J'en suis sûre. Oui, c'est bon. Oh, un écureuil. Attends, montre vers le chocolat. Un écureuil. On enlève celui-là. Alors, le Kinder. Case 8. Alors, attends, on va le chercher aussi avec toi. Non, ah oui. Je l'avais trouvé aussi. Un œuf. Un œuf. Un œuf Kinder. Après. Oh, ici, coincé. Mm. Tu fais celui de Véro? Attends, on le ramassera après, c'est pas grave. Ouais. Celui de Véro, case... non, sachet numéro 8. Avec les petits chocobons. Ouais. J'adore les chocobons. Je sais que tu adores les chocobons. Hop. Et le chocolat blanc. Tu arrives? Voilà. Ouais, tu peux remettre dans le panier. Et ensuite, le Playmobil. Alors, case 8, elle est où? Je sais où elle est. Ah, j'ai trouvé. Moi aussi. Ceux-là, ils sont durs. Attention, les doigts. Tu veux que je t'aide? Oui. Attends, ouais, c'est vrai qu'ils sont vraiment durs, ceux-là. Ah, attends. Vas-y. Voilà. Alors... Oh! C'est quoi? C'est Galinetta. C'est Galinetta? Oui. La petite poulette. Oui, Galinetta, c'est la poule dans Pat' Patrouille. Et bien voilà, donc c'était l'ouverture des calendriers de poussins. Qu'est-ce qu'on dit? À demain. À demain. Découvrons le sac du jour dans l'armoire de Carole. Alors, petit clin d'œil à l'un de mes tutos, le petit panier que je vous avais fait avec les rouleaux de papier toilette. Donc voilà, un morceau de rouleau de papier toilette pour faire le petit panier. On a un petit morceau de washi avec des chevrons, toujours l'étoile scintillante avec le chiffre 8 et une petite laine blanche pour les anses. Voilà, trop chou. Passons maintenant à l'ouverture de mes cadeaux du jour 8. Alors on va commencer par ma Catherine. Voilà, donc ça se présente comme ça, tout en bleu. Alors je vais retirer la petite ficelle. Hop, je suis accompagnée de mon assistant Poussin. J'essaie de ne pas arracher. Ah, voilà. Donc là, on a une jolie enveloppe bleue. On a un petit cadre avec le chiffre 8. Le petit lapinou centaureau. Et donc, découvrons ma carte ainsi que mon indice. Hop là. Oh, ça a l'air d'être une jolie carte. Ah oui, c'est une jolie carte. Oh, j'aime beaucoup. Très belle. Regardez ça. Donc là, en fait, elle a fait un fond. Bon, je pense qu'elle a dû prendre un pochoir. Elle a fait un fond avec un ciel plein de nuages. Ensuite, donc là, ça a été. Donc ça doit être un dice qui fait cette forme-là. Avec le sentiment pour une amie. Je ne sais pas si on va voir, ça fait des petits pointillés. Vous voyez? C'est super chouette. Ensuite, donc là, on a plein de tamponnages avec différentes encres. Donc noir, rouge, vert, moutarde, grise, donc avec plein de petits feuillages comme ça. Et ensuite, dans ce feuillage est caché un hérisson en train de regarder un petit papillon. C'est trop chou. J'adore, j'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment très belle. Merci beaucoup en tout cas Catherine pour cette jolie carte. On a un petit nœud bleu juste à l'arrière. Alors, je vais découvrir mon indice. Alors, tu connais le film La guerre des boutons? Oui, je connais. C'est vraiment un classique. Alors, La guerre des boutons. Du coup, ça va être quoi? Des boutons, alors, du coup? Ouais, peut-être. Vu le bruit que ça fait au niveau du paquet, sûrement des boutons. Alors, plaisir d'offrir, le petit sentiment. Je pars sur des boutons.
Alors, donc, kit bouton créatif. Alors, je suis en train de regarder comment que ça marche. Alors. Ah, c'est pour faire des boutons, en fait, avec des tissus. Alors, nous avons... Je suis en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je pense qu'il faut faire un cercle avec le tissu. Donc, vous faites le cercle, vous le découpez ensuite. Bon, désolé, il y a la caméra qui est en train de se faire la malle, le trépied qui est en train de bouger, donc voilà. Alors du coup, j'en ai profité pour regarder un petit peu mieux, donc comment que ça fonctionnait. Alors, donc je disais, vous prenez un morceau de tissu, voilà, comme ceci, vous faites une découpe ronde, voilà. Ensuite, vous avez deux parties, une partie creuse et une partie qui va représenter l'arrière du bouton. Donc en fait, vous mettez votre tissu par-dessus et vous le bloquez avec l'autre partie. Voilà. Ah bah c'est cool, comme ça, ça permet de personnaliser ces boutons. Voilà, si je veux faire un petit tamponnage sur un tissu neutre, c'est possible aussi, mettre un petit sentiment, etc. Donc c'est cool, un kit de boutons créatifs, je ne connaissais pas du tout. Franchement, c'est top. Eh bien écoute, merci Catherine, c'est une belle découverte. Ouais, je ne connaissais absolument pas, donc vous me direz en commentaire si vous connaissez ce genre de kit, mais moi je ne connais pas du tout, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Ensuite, on va continuer avec le calendrier de Damien. Donc, j'ai le petit carnet avec les indices. Donc, jour numéro 8. Alors, jour numéro 8. Brioche de Noël. Brioche de Noël. Alors, vu la forme, je pense à un panettone. Donc, ce sont les petites brioches italiennes. Je pense à ça. Je ne suis pas sûre à 100%, mais vu la forme du paquet, je vais pencher là-dessus. Alors, voyons voir si j'ai bon ou pas. Mon mari reçoit tous les ans dans son... il reçoit un panier garni du boulot et son patron étant italien, on reçoit que des produits italiens et il y en a toujours un dedans qui est divinement bon. 100 grammes, donc c'est quelque chose qui se mange. Oui, c'est ça, un panettone. Donc là, c'est au fruit confit. Oh, trop trop bon. J'enlève. Oh, tu as pensé aussi à mes fesses. Merci beaucoup, Damien. Voilà, j'avais trouvé. Mais bon, c'est vrai que c'est des formes bien spécifiques. Donc même si c'est la version petite, j'ai reconnu la forme du packaging et c'est top. Voilà, on va se régaler, Poussin. Regarde, tu vas en manger ? La petite brioche? Oui? T'oses pas parler? Tu peux parler, hein? Merci, Damien! Un chouette cadeau aussi. Ensuite, on continue avec Carole. Carole, les petites choses de Mamou. Donc là, on a une petite enveloppe rigolote en craft avec un smiley. Toujours le casse-noisette, le petit nœud. Donc, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, alors là, honnêtement, je ne sais pas. C'est très plat. Je ne sens aucune forme. Donc... je sais pas du tout, j'ai pas d'idée. Alors, je vais essayer de retirer le scotch sans arracher l'enveloppe parce que j'aime bien, j'aimerais bien la récupérer. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Metal bookmark. Ah, oh, c'est trop beau. Oh mais je trouve pas le nom. Un marque-page. Oh là là, un marque-page chat. Regardez comme il est beau. Donc, nous avons deux chats noirs avec un magnifique cœur ici et un autre au-dessus, un peu plus grand et vidé. On voit des fleurs. Il est superbe avec un ruban satiné rouge. Il est magnifique, Carole. J'adore, c'est trop beau. Oh là là, je suis gâtée pourrie avec la petite carte. J'adore, trop beau. Merci beaucoup, Carole. C'est un chouette cadeau aussi. Oh là là. Merci, merci. On va continuer avec Véro du haut du village. Donc, nous avons toujours la petite boîte rouge avec les flocons. Le chiffre 8. Alors, quelle est montée du jour? Découvrons. Alors... oh, celui-là, je vais l'apprécier. Menthe poivrée.
Je pense que c'est ça. Hein. Menthe poivrée. Merci, je vais goûter tout à l'heure. Et puis, bon, on verra bien si c'est bon ou pas. Mais je n'ai pas de doute là-dessus. Et ensuite, donc là, j'ai une petite boule. Hop. Donc là, j'ai la petite boule dorée aujourd'hui et toujours mes jolies petites fleurs. D'ailleurs, ça m'a fait rire hier, il y a Véro qui en a refait de ces petites fleurs-là. Elle avait les mains toutes rouges. Merci beaucoup Véro pour les petites fleurs, le chocolat et le thé du jour. Ça, je laisse là, je vais descendre ça. Et ensuite, passons à Carole. Carole fait son scrap à thème. Alors, la boîte numéro 8 est juste là et elle est juste magnifique. Donc regardez ce sublime papier avec les petites maisonnettes comme ça en pain d'épices. Elles sont trop trop belles, ça me fait penser aux maisons qu'on a vues à Colmar quand on a été au marché de Noël. Et puis là cette découpe dans du papier miroir cuivré avec le chiffre 8, juste superbe. Très très jolie. Magnifique. Alors, je retire le ruban. Mais c'est trop collé. Je ne sais pas si je vais réussir à prendre la bougie sans. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Alors, l'indice, j'espère que tu l'as plié. Ouais, je pense que ça a dû coller un petit peu trop à ce niveau-là, ce qui fait que j'avais une petite ouverture, mais ça va, j'ai rien cassé. Tout est OK. Alors, une bougie parfumée, donc je vais l'allumer tout à l'heure. Sans pousser, ça sent bon. Ça sent les épices de Noël. Alors, un peu de ma forêt vosgienne chez toi. Un peu de ma forêt vosgienne chez toi. Alors. On dirait un pot. Peut-être du miel. Du miel de sapin ou quelque chose comme ça. Je pense à, oui, à un pot en verre où je pencherai pour ça du miel de sapin vu que tu parles de ta forêt vosgienne. Je pars là-dessus. Du miel de sapin des Vosges. Est-ce que j'ai bon ou pas? Là, pour l'instant, je ne peux pas voir parce que c'est bien emballé. C'est un pot. Ah non, c'est une bougie. Ah, bah oui. Ouais, j'ai perdu. On avait parlé bougie, justement, quand on avait été au marché de Noël de Colmar. Mais ouais, du coup, avec ton avis, je pensais que c'était autre chose et j'ai pas fait attention à la forme des autres paquets. Bah voilà, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était... Ah, mais j'arrive pas à mettre dans le champ. Donc, c'est une bougie de chez Fabio Bougie. D'ailleurs, elles sentent divinement bon. Alors, je ne sais pas s'il y a les coordonnées dessus ou pas. Oui, donc je vous l'ai mis. Donc, c'est la petite ligne qui est juste en bas. Donc, en fait, Carole m'a déjà offert Brédeleu. Elle m'a offert Violette. Ça sent mais divinement bon lorsque vous allumez ces bougies-là. Et donc, mon beau sapin, ça sent quoi? Oh. Ah oui, non, ça sent vraiment le sapin. Ça sent bon, hein, Poussin? Ouais. Ça sent bah, une odeur de sapin avec un petit mélange, mais vraiment très, très subtil d'une odeur sucrée. Oh, je vais me shooter avec. Oh, ça sent bon, mais ça sent bon. Mmh. Oh, celle-là, je l'allumerai le jour de Noël. Oh, elle sent trop bon. Oh là là. Honnêtement, si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir donc sur le site de Fabio Bougie. Ils font des bougies, mais vraiment qui sentent trop bon. Oh, je m'en lasse pas. Merci beaucoup, ma Carole. Ça sent divinement bon. Voilà, et bien, écoutez, c'était l'ouverture de mes cadeaux numéro 8. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant donc celle de demain, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit si vous passez à table. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis rendez-vous demain. Ciao, ciao!